Morgen, allez, Yidden et Sussra aujourd'hui, le Nishmat, Richard, Aaron, Ben, Fortune et Mazal, ainsi que l'Irfouat, Hanalea, Bat Gitel Devra, Sarah Bat Nechama, Ephat Batsara et tous les blessés de Méron qui attendent une Yeshua, qui leur arrive bientôt, Bézard Hachem prochainement, Yerufouach Lemo, Fat Nefesh, Fat Agouf, Vishachem Yomar, les Sarot et Nodai. On étudie Masechet Shkalim, Perek Aleph, Mishnah Dalet, Amar Rabbi Yehuda, Eid Ben Bukhri, Beyavne, Kol Kohen, Sheshokel, Enochote. אמר לו רבי יוחנן בן זכאי, לא כי, אלא כל כהן שאינו שוקל חוטא. אלא שהכהנים דורשים מקרא זה לעצמן, וכל מנחת כהן כליל תהיה לא תאכל. הואיל ואומר ושתה לחם, ולחם הפנים שלנו, איך נאכלים? Une Mishnah qui se réfère avec la fin de la Mishnah précédente, on a vu que אין ממשכנין את הכהנים מפני דרכי שלום. On est en train de parler en ce moment de qui doit payer le machatzit shekel, qui a l'obligation de le faire, et de qui va-t-on faire une saisie de biens s'il ne le fait pas. La Mishnah précédente se finissait en me disant que les Kohanim, on ne va pas leur saisir leur bien. S'ils ne payent pas, ben, on ferme les yeux, on avale la pilule, mais on ne va pas leur prendre de force le machatzit shekel, à la différence de tout le peuple d'Israël. Notre Mishnah maintenant vient expliquer qu'en réalité il y a une discussion sur ça. Il y a quelqu'un, le premier avis, d'abord je pose l'idée générale. On va voir Rabbi Yehuda, c'est le premier avis, qui va rapporter au nom de Ben Bukhri. Je crois que c'était une Masechet dans une Mishnah dans Masechet Edouyot d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, il va nous. Un avis qui va dire qu'en réalité, les Kohanim, ils sont dispensés de payer le Machatzit HaShekel. Juste qu'ils ont le droit de le faire. On va expliquer un peu mieux après, mais d'abord je donne l'idée. Rabbi Yehuda, il va nous dire, tu sais, quand la fameuse légende qu'on ne va pas faire de saisie de biens des Kohanim pour payer le Machatzit HaShekel. C'est parce que tout simplement, les Kohanim sont dispensés de payer le Machatzit HaShekel. Ils le font, mais ils le font par gentillesse, par solidarité avec le peuple d'Israël. Ils n'ont qu'une obligation. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda au nom de Ben Bukhri. Tandis que Rabbi Yohanan Ben Zakkai veut dire à l'envers. Un Kohen qui ne veut pas payer, c'est un fauteur. Il a l'obligation de payer. Seulement, on a adopté l'usage de ne pas leur prendre, comme on a dit dans la Mishnah précédente, à cause de Darkei Shalom. D'accord? C'est l'idée générale qu'il y avait dans notre Mishnah. Peut-être que j'introduis aussi une autre notion avant. Comme ça, c'est expliqué dans l'Hirushalmi, il va tenir à faire allusion partiellement à la source de. Ça tourne autour d'un pasouk, en fait. Pour les Machatzit HaShekel, la Torah a dit qu'on l'a ouvert à la Pekudim. Tout celui qui va passer dans les comptes. D'une certaine manière, si on traduit simplement, la Torah me dit tout celui qui a été dénombré parmi le Ham Israël, tout celui qui est censé être dénombré parmi le Ham Israël, eh bien, il doit payer le Machatzit HaShekel. Maintenant, si vous faites attention devant Sefer Bamidbar, on différencie le Ham Israël des Lévim de plusieurs manières. Les Bnei Israël, on les compte depuis Mi Ben Esrim Shana Vamala. Pour dénombrer les Lévim, c'est depuis Mi Ben Chodesh Vamala. Première différence. Il y a même, la Gemara répond, on rapporte aussi une différence aussi. J'ai pas tellement compris comment ça se passe en fait. Moi, pour l'Ham Israël, ils devaient eux apporter leur shekel. Pour les Lévim, on envoyait apparemment des émissaires pour récupérer l'argent chez eux. Suite à ça, en tout cas, il y a une discussion en fait. Ça tourne en partie autour de ça. Comment interpréter le kol haover à la Pekudim? Le premier avis me dit kol haover à la Pekudim, regarde, tous ceux qui doivent se faire dénombrer de la manière classique, donc le Ham Israël, Lévim, ils ont les Lévim et Kohanim en fait. On parle des Kohanim, mais en fait, ça inclut aussi les Lévim. Ils sont dénombrés d'une manière un peu différente. Ça, c'est le premier avis. Tandis que le deuxième avis est de dire non, Kola Over la Pekudim, la Torah l'a utilisé Kola Over pour faire allusion à celui qui était Over Bekirat Yamsouf. Celui qui a traversé la mer Rouge, donc en réalité tout le monde a l'obligation de payer. D'accord? Première notion. Deuxième notion en fait, qui aussi, c'est une des preuves, une des sources, pourquoi, c'est ce que Rabbi Hanan Ben Zakkai va rapporter à la suite de la Mishnah. Je vous fais tout à l'oral, comme ça après quand on va lire la Mishnah, on va déchiffrer ce qu'il a écrit de manière plus simple. D'accord? Il y a la deuxième notion, on avait appris dans Zvachim, Menachot plutôt, que dans une mincha, lorsque moi qui suis en Israël, je veux apporter une mincha au Beth Amikdash, j'apporte au Kohanim, ils vont là faire tout le procédé de la Mishnah, tout le rituel de la mincha, et puis ils vont donner un kometz dans le feu, ils vont prélever une pincée, ils vont la mettre dans le feu, et le reste c'est les Kohanim qui vont la manger. Tandis qu'un Kohen, Vechol Minchat Kohen, Kalil Tiye ou Kalil Toktar, c'est dit dans la Torah. Lorsqu'un Kohen apporte une mincha, elle va être brûlée entièrement.
On avait expliqué l'idée comme ça. Les Mefarshim de la Torah expliquent, c'était dans une parachute passée en général, peut-être même la semaine dernière, il y a 2 semaines, que de manière générale, j'apporte un cadeau au roi. Donc le roi, il mange un petit peu, il donne à ses subordonnés à manger. Mais lorsque le subordonné, lorsque le ministre, il va apporter un cadeau au roi, le roi, il ne va pas prendre un petit peu et lui rendre au ministre, sinon c'est pas un cadeau. Donc le roi, il va tout garder cette fois-ci. C'est l'idée. Lorsqu'un Israël apporte à Hachem une mincha, alors on va donner un petit peu sur le misbéach, en l'honneur d'Hachem, et le reste, c'est le Kohanim qui mange. Lorsqu'un Kohen apporte une mincha, alors le Kohen, ben, il va devoir brûler toute la mincha, il ne va pas se mettre à manger lui-même sa mincha. Sinon, il ne se fait pas cadeau au roi, il se fait cadeau à lui. Imaginez, je vous apporte un très beau paquet de chocolat, vous allez en manger un, vous me donnez à manger le reste. Je ne vous ai pas fait de cadeau, je me suis fait un cadeau, d'accord? C'est l'idée. Du coup, les Kohanim, lorsqu'ils apportent une mincha, ils doivent pas manger la mincha, la Torah l'insister, quel est le tir. D'où les Kohanim, ils ont, comme ça le Rabbi Hanan Ben Zakkai avait expliqué qu'en fait les Kohanim, quand ils ont voulu se dispenser d'apporter le Martis HaShekel, c'est parce qu'ils ont fait cette dracha. Parmi tous les Korbanot Tzibur qu'ils vont faire, qu'on va faire, il y a aussi des Menachot qui sont censés être consommés par les Kohanim. En l'occurrence, les Shteh Alechem, c'est une sorte d'offrande aussi, les pains du Shabbat, ça portait, les 12 pains du Shabbat, qui sont apportés avec la caisse du Machatzit HaShekel, comme on le verra plus loin. En l'occurrence, si les Kohanim, si tu dis que les Kohanim, ils ont une obligation de cotiser dans ça, il s'avère qu'en fait, le Kohen, il cotise et il mange sa mincha, c'est possible qu'un Kohen, il va manger une mincha qu'il apporte. De là, les Kohanim, on est dit que non, les Kohanim sont dispensés de cotiser avec tout le peuple d'Israël. Ça, c'était l'erreur qu'ils ont fait, les Kohanim. En réalité, leur déduction est fausse, parce que ce qui a été dit pour une offrande particulière, individuelle, n'est pas applicable sur une offrande publique. D'accord? On a fait toute la Mishnah orale, maintenant on va tout découvrir dans les mots. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, He'id ben Bukhri be'yavne. Il a témoigné ben Bukhri, lorsqu'il y avait le Sanhedrin qui s'était installé à Yavne, il est parti témoigner pour leur raconter une halakha qu'il connaissait, qui disait que Kol Kohen she'shokel enochote. Tout Kohen qui veut donner le Machatzit HaShekel ne faute pas, ne commet pas d'erreur. Genre, il n'a pas d'obligation. Maintenant, il aurait pu avoir une certaine interdiction de lui dire de ne pas cotiser du tout, mais non, il a le droit de cotiser. J'ai pas allongé sur le problème, j'en parlerai peut-être à la fin de la Mishnah, je préfère pas m'interrompre pour le moment. Une petite notion qui va être plus développée dans le prochain Mishnah Yot, en fait. Je finis la Mishnah et je reviens dessus. D'accord, pour le moment, donc, Rabbi Yehuda nous dit, au nom de Ben Bukhri, un Kohen, il n'a pas d'obligation de donner le Machatzit HaShekel, s'il décide de le donner, il n'y a pas de problème, il ne fait pas d'erreur. Amar lo Rabbi Yochanan ben Zakkai, il lui a rétorqué Rabbi Yochanan ben Zakkai, tu te trompes, Loki, ce n'est pas ainsi. Au contraire, il a kol Kohen she'eno shokel chote, un Kohen qui ne va pas payer le Machatzit HaShekel, c'est un fauteur. C'est pas que celui qui paye, il faute pas. Celui qui ne paye pas, il faute. Et là, seulement, pourquoi les Kohanim ont leur fait quelques petits allégements à cause d'une erreur qu'il y a eu. Et là, chaque Kohanim dorshim mikrazel asman, parce que les Kohanim interprètent ce verset pour leur propre profit, qu'il y a marqué Vechol minchat Kohen kalil tiye loteachel. Toute mincha, toute offrande, oblation d'un Kohen, kalil tiye, elle sera entièrement brûlée, kalil entièrement. Loteachel, elle ne sera pas consommée. Et donc, dans ce cas-là, ils font une déduction comme ça en disant « Oui, ve'omer, ushta lechem, ve'lechem apanim shelanu » Et réfléchis avec ta tête, là, comment tu peux m'imposer à moi de payer, à moi le Kohen, tu peux m'imposer de payer ma cotisation. Si on va apporter avec ma cotisation du Homer, le Homer, l'offrande d'orge, et le shta lechem, et les 2 pains de Shavuot, ve'lechem apanim, et les 12 pains du Shabbat, shelanu, si j'ai l'obligation de l'apporter de ma poche, est-ce que, comment va-t-on pouvoir les manger? C'est impossible qu'un Kohen va apporter une offrande et qu'il va les manger. C'est l'erreur qu'ont fait les Kohanim. En réalité, comme il explique le Bartanora, c'est une erreur parce que ce qui a été dit, c'est pour les offrandes individuelles, mais pas pour les oblations individuelles, mais pas pour les oblations publiques. Ok, on a fini la Mishnah, maintenant je rappelle juste un petit détail qui sera plus. C'est une notion qu'on va revenir plusieurs fois tout au long de Shkanim. Un individuel qui n'a pas d'obligation de cotiser. Est-ce qu'il peut quand même, de son plein gré, cotiser malgré tout avec tout le Ham Israël? Il y a plusieurs cas de figure, on en a évoqué un qu'on retrouvera dans la prochaine Mishnah, c'est l'histoire de l'enfant. On verra dans la prochaine Mishnah avec
les femmes, en l'occurrence ici le Cohen, que le Ben Bokhri, il a voulu dire que le Cohen il est dispensé, mais s'il cotise, il ne fait pas d'erreur. Donc, en fait, on déduit là qu'un individuel, il peut malgré tout cotiser. Il y a un certain chidouche quand même qu'il faut bien comprendre, que parfois il pose problème, parfois il ne posera pas problème. Un corban public, ça doit venir de la poche du public. Un public, c'est pas 1000 individuels qui donnent une demi-prouta. Parce que si c'est 1000 individuels qui vont donner une prouta, et avec ça on va avoir 1000 prouta, ça s'appelle une association de 1000 individuels. C'est pas un corban public. Pour le donner au public, c'est une notion un peu délicate. Il faut en fait en vouloir rendre son argent public. D'accord? Parce qu'appartient au public, c'est... Imaginez, une synagogue, c'est pas un endroit qui appartient à tous les habitants du quartier. Ça appartient à quelqu'un. C'est un endroit qui appartient à tout le peuple d'Israël. D'accord? Si c'est avec les briques, on est sur le site de Beth Knesset. C'est des notions comme ça de propriété. C'est pas que c'est... Ce qui est public, c'est une caisse publique. C'est pas une caisse de plein d'individuels. Selon ce principe, on y arrive. Lorsqu'on cotise pour le Mahatzit HaShekel, on a l'obligation de le donner pour faire que la caisse publique va s'enrichir et va avoir de l'argent pour pouvoir agir au nom du public. Un individuel qui n'a pas d'obligation de cotiser, il ne pourra cotiser que si on fait attention à ce qu'il le donne, que c'est plus son propre argent. Il le donne au public, c'est pas qu'il prend part avec le public, il doit le donner au public. De manière générale, imaginez en fait la catastrophe qu'il pourrait y avoir. S'il y a quelqu'un qui va prendre un shekel, sans intention de le donner au public, il va le garder pour lui, et grâce à cet argent, on va acheter un korban de une hola, pour le hola tatamid du matin. Et bien, c'est vrai qu'il va y avoir dans la hola, il va y avoir une petite part de korban individuel, elle va être invalide à cause de ça. Il faut que ce soit de l'argent public. Donc en fait, il y a une notion qu'on va revoir plusieurs fois, c'est Aïmo Moser Oto Yafé. Est-ce qu'il le donne au public, franchement ou pas? Des fois, en général, on va le permettre pour le Mahatzit HaShekel, dans certains autres domaines de halakha, ça posera un vrai problème. Par exemple, je ne sais pas, moi, imaginez qu'il y a le Korban Tamid de demain, j'ai envie, moi, de le donner au public. Moi, j'ai un petit mouton très mignon qu'on va pouvoir le faire en Korban Tamid pour demain, ben, on va m'interdire de le faire. De peur que je n'ai pas l'intention de le transmettre réellement au public, et qu'en fait, c'est mon Korban, et c'est-à-dire que ce n'est plus un Korban public, ça devient un Korban personnel. Même principe si je suis propriétaire de un dixième ou un centième ou un millième même du mouton. C'est pas encore un corban public. Il faut que je le donne à la caisse commune, d'accord? C'est la notion, c'est pour ça que la Mishnah nous dit Enochoté. La Mishnah est venue apprendre qu'il ne faute pas parce qu'on lui fait confiance qu'il le donne, il donne son Mahatzit HaShekel comme il faut. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov Tzedakah.